Salut YouTube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Tac. Bon, attends, du coup, je vais shuffle. Ouais, ça filme bien. En vrai, je pense que j'améliorerai un peu la netteté, et ce sera tout. Un peu la. Oui, j'ai l'impression que. La luminosité. C'est vraiment clair, quoi. Ouais, on est au niveau de la fenêtre. Je trouve que c'est pas mal. On verra ce que ça donne au montage. Tac. Plus grand choisi. 10. 10. Terra Element, il est content. 7. 7. Terra Element, prends la main donc. L'autre jour, j'ai pas perdu un seul dé. Là, j'arrive. Paf. Ah, j'ai fait. Je crois que j'ai gagné le décompte Kashtira vendredi et j'ai quand même perdu la game. Ouais, en même temps, à la 2, il t'a pris Macrocosmos. Macrocosmos. À la 3, t'as pris Lightning Storm. La 3, j'ai pris Shifter, Lightning Storm et. Un autre truc de merde. Je suis là, genre, bon, vas-y, c'est bon, Kevin. Tu forces un peu. Bon. Draw, standby, main. Je réfléchis. Ok. C'est plus Shifter. On en met une phase. On en met une phase. J'ai une main dégueulasse. Bienvenue au club. Hein. J'ai vraiment une main mauvaise. Je vais faire normal summon. Ah oh oui. Ça pue la merde, vraiment. Oula. Et feu cimetière pour la bannière. Et ouais, tu la bannière en cause de toute façon. Et tu te mets de la main. Ouais. Ouais. On pensait que je joue Orcus de pur. Je vais faire Galatea sur Bombard. Ouais, voilà, c'est vraiment. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, fou. Il y a une espèce d'odeur là. Ouais, chercher. La Babel. La Babel. Ce qui te. Normalement, te donne une indication sur ce que j'ai en main. Ouais. Pas trop de doute, hein. Je l'active. Je vais faire Chevalier sur. Chevalier sur Galatea. Je réfléchis. Ok. Je réfléchis à Chevalier, du coup. Chevalier, il dit tu vas foolish. Yes, je cible 1, je le ban et en rang. Ça, c'est le cost. Et après, je en peux. En vrai, je vais H. Ok. Eh bien, c'est là où. Je vais dire à toi. Je vais draw. Ouais, donc 5 en main. Ouais. Standby. Ouais. Main phase. Ouais. Je vais. Norm Frog. Ouais. On est bon. Est-ce que. Il y a un effet à la normal summon? Je vais réfléchir à l'activation de l'effet. Eh bien, il ne va pas y avoir d'effet. Ok. La résolution, je déclare égal à Terra. Target pour chevalier. Envoyer pour recette 1. Cibler. Le coup, c'est ciblé. Donc, je cible mon chevalier. Je vais chain. Ouais. Je vais tenter starter. Putain, t'avais une bonne main. Norm, starter et potentiellement un extender. Je suis pas. Pas convaincu de ma main en tout cas. Je vais te laisser starter. Ok. Et du coup, je vais pouvoir remettre chevalier et aller chercher retour. Je vois des fois les decklists en OCG. Ils ont 3 harpes et ils jouent tir Arcus, tu vois. Mais avec harpe et tout. Et en fait, le deck est OK. Après, c'est pas la même méta, bien évidemment. Mais le deck est OK, mais il casse pas trop les couilles non plus en top, tu vois. Et j'aimerais tellement pouvoir jouer ce deck-là. Je vais invoquer Blue, je vais me battre de 1100. Voilà, c'est ça que je voulais en fait. C'était ça que je voulais. Un invocation, effet Blue. T'as potentiellement un en main. Ouais, vas-y, go, effet Blue. Je prends des risques. Je suis un gars qui a pas peur des dangers. On n'a pas mis nos meilleures cartes en main. Ouais, je vais tuto raid, je sais pas si c'est un meilleur tuto, mais bon. Ouais, donc non. Je me rends pas bien compte. Je vais. Tenter de voler.
Ah ouais, t'avais une bonne main en fait, hein. Là, ouais, là vraiment. En fait, t'avais une bonne main, hein. Je n'étais pas convaincu, mais le fait que tu as activé Galatea comme ça. Bah, en fait, j'aurais dû. Ouais. En fait, t'avais une bonne main, hein. Je vais être obligé de faire crescendo parce que de toute façon, sinon, il me sert à rien. Ça me va. Ouais, bah ouais, je me doute que ça te va. J'ai pas fait l'effet de ma frog parce que j'ai pas envie de prendre crescendo dessus. T'as rien au cimetière, toi? J'ai lien Kuribo. T'as rien, quoi. Et j'ai crescendo pour le tour d'après éventuellement si je trouve aucun tir. Je vais spé Jett. Jett qui est ma sixième. Déclarer l'effet. Jet, ah t'as draw, okay, j'étais en train de dire, mais il n'y a Ouais. pas Nibiru là. Jet pour tuto magie piège, c'est ça? Ouais. Je vais activer super pot. Donc cost. C'est pas gentil, ouais, bah vas-y, sinon Et je je peux vais pas peut-être répondre. manger les deux. Et on va faire Garou. Donc du coup, j'ai quand même ma tuto qui Il y a passe. ta tuto qui passe. Mais en gros, j'aurais pas fait super beau tout de suite si t'avais pas activé starter en main. Ouais. Mais vu que t'as activé starter, en gros, c'est soit t'as un level 2 et tu peux continuer tes prêts à aller sur Gigantix. Soit t'as pas de level 2, mais vu que t'as déjà spé Blue et Jet, c'est. Ah mais non, je suis trop con, t'as carotte en main. T'as pas carotte, t'as orange. Si j'ai Red. Red. Eh bah oui, je suis con, en fait. Bon, en vrai, je pense que c'était quand même rentable de te limiter tes cartes sur le terrain. Mais j'aurais peut-être dû attendre que tu fasses Gigantix Ouais. pour pouvoir faire super pot. J'ai oublié le raid en T'aurais main. dû attendre l'effet de J'ai Gigantic, oublié le raid en main. effectivement. Donc tu dois double Ouais. cross. Du coup, je vais spé Ouais. Red. Ouais, mais j'avais vraiment une main claquée au sol là. Je vais Faire Gigant Link off. Elf. Ok. Je vais invoquer Sprint, effet Sprint pour Ah oui. Foolish. Oui, bon carte. Bon carte, bon carte. Si ça passe. Oui. Je vais envoyer Angler. Angler, quand tu envoies une deck au cimetière, je peux invoquer deux Nimble depuis le Ça, c'est deck. fort, hein. C'est très fort. J'ai hésité à enlever. J'ai toujours Winda dans mon deck. Bon, en fait, j'ai pas touché mon deck depuis Ouais. WCQ de Bordeaux. Et j'ai hésité à enlever Winda et Bet. Déjà parce que je suis à plus de 40. Pour mettre ça, parce que ça envoie Merli en fait. C'est pas dégueu. Donc j'invoque mes deux castors et donc là du coup je peux partir sur Gigantic. Yes. Tu gardes pas le spring sur le terrain pour son effet d'annulation? Alors l'inconvénient de Spring c'est qu'il ne peut pas être utilisé en matériel lien le tour est invoqué. Ah, ok, d'accord. Et donc du coup je me lock ma zone extra pour Ouais, Elf. ok, je comprends. Après, là, en l'occurrence, je Après là en l'occurrence on pointe est vers toi. tour T'avais 2. la position Ah oui ici. après le Spring il pointe, enfin, il pointe aussi en bas mais Ouais. l'avantage c'est quoi est tour 2 et que j'ai maintenant un lien en matériel donc du coup mon Ouais. Gigantic est ultra gros. Ouais, c'est vrai. Donc si Gigantic est là, je vais tenter d'activer l'effet. Vas-y, go. Là, t'as le combo 4 char côté K. Je sais pas en fait, vu que t'as Galatea sur le terrain, Surtout qu'elle est pointée par t'as Garroi. Garura, ouais, donc il faut d'abord que je me débarrasse de Garura avant Galatea. C'est... En Yes. fait, je pense que ta super poly m'enlève les matériels nécessaires pour avoir un Ouais, je métal. suis assez d'accord. Gigantic effet, moi. Là, je vais invoquer une frog, et là, je vais déclarer l'effet de la frog. Ouais. En vrai, j'étais un peu con. Sur la super pot, je pense que je peux Ouais. tenir le tour. La super peau est trop early Ouais, pour mais j'ai moi. complètement oublié que t'avais raid en main en fait. C'est pas pourquoi je me suis focus sur le fait que t'avais déjà activé. Je l'ai fait sur Jett en me disant, vu qu'il a déjà activé starter, bah il est ok, tu vois. Et j'ai complètement oublié que t'avais raid en main tuto avec Blue juste Ouais, avant. bon là en vrai, il a combien de Garura? Il a Il a 1005. 1005, ouais. Là, Garura est un peu chiant, mais bon. Parce que là, tu n'as aucun de tes monstres qui le passe de toute façon, Garou. Si, Gigantic, Ouais, largement. non, mais à part Gigantic, il n'y a aucun autre de tes monstres. Parce que Elf la passe pas. après, c'est compliqué. Elf ne passe pas. Je réfléchis à mes plays. Vas-y. Est-ce que je fais ça ou pas? Si je prends pas l'étal, en vrai, j'ai intérêt de toucher une très bonne carte derrière. Ouais. En vrai, la bonne nouvelle, c'est que tu vas gérer Garroi, donc j'ai pioché un. Et j'ai encore Madro juste après si je meurs pas. Donc, Garura, son effet, c'est quand il quitte le ouais, terrain. s'il touche le cimetière, quelle que soit la façon, grosso modo. Et ça la rend très fort. Hein. En plus d'être une Ouais. excellente target super beau. Truc, c'est que je dois faire un toad là, je pense, pour tenir, hein. Sinon ça va être compliqué. Ok. C'est dommage de se séparer de Gigantix quand t'as une Ouais. Léa. L'inconvénient, c'est que je peux pas faire, vu que j'ai plus d'extender,
je peux pas faire Toad en utilisant mon. Ah oui, ok. Maintenant qu'il n'y a plus Ronin, en fait, tu es obligé de garder Mm. une frog sur le terrain pour arriver à le faire. Effet elf Ouais, vas-y. sur ma frog. Tac. Et donc là, t'as Toad. Là, je vais faire un Toad. Là, ben en fait, là par exemple, tu m'aurais pas bloqué mes deux sprites. Ouais. J'aurais pu faire gigantique avec recalchat buffé. Ouais. J'aurais fait Onibimaru pour te bannir la Galatea. Ouais, et c'était réglé. Et c'était voilà, c'était C'était vital. réglé. Ok. Je vais Battle, je tenter de suppose. passer en battle. J'ai pas de raison de pas taper Garurant. T'as combien sur ton... J'ai 2002 là. Ok. Donc je prends 700. Et je vais Ouais. tenter de déclarer Garurant au cimetière. Ouais, tu peux piocher, hein. Je vais te laisser couper. Parce que j'ai... Oui, J'ai off... t'as fait ton retour J'ai orchestré. fait mon retour, là, exactement. Donc tu as pris 700, t'as 7003. Exactement. Et toi, t'as payé ton J'ai starter. payé 1100, je suis à 6009. Yes. Je vais dire main phase 2, je vais faire 2 cartes et une fin de tour. Ok. Je Je vais te laisser vais couper. dire draw phase. Ouais. Standby main. Je réfléchis en stand-by. Tu réfléchis en standby? Non, c'est bon. Ok. Il m'a sauvé dans le En cimetière. main phase, je vais faire retour orchestré sur Galatea. Donc tu dois renvoyer en cost, hein, si Je je ne me pense trompe que c'est le pas. cost. J'ai pas la carte, mais je pense que c'est le cost. Peut-être que Ah c'est ouais, c'est un 6. cost, un point Ok. virgule. Oh oui, tu peux piocher. Là, tu me laisses aller jusqu'à 4 cartes. Ok, hein. En vrai, c'est un peu risqué de faire ça, non? Bon. Ok. Moi, je me sens bien là, tu vois. Vais déclarer Nessie en main. Voilà, pourquoi je me sens bien? 1, Trop. 2, 3. Cost. Afnis. Spé. Draw. Afnis effet. Je réfléchis. Je me doute. Est-ce que juste je YOLO pas Negate? Tu penses? J'ai encore Je 3 en main. réfléchis. Ouais, je sais que t'as encore 3 en main. Je suis trop con d'avoir mis ici en défense. Je vais YOLO Negate. Ok. En réseau, Ouais. Toad pour récupérer un castor. Y'a. En réseau, Elf Elf pour pour Frog. Pour retour Frog. d'eau. J'ai pas de réponse à ça donc ouais. Ok. Thinking. Ouais. Je vais proposer Sheren. De la main? Ouais, alors je vérifie juste si c'est un cost ou pas de défausser cette. Invoquer spécialement cette carte. Il n'y a pas de cost en fait. Juste j'active l'effet. Juste, tu l'as fait? Bah écoute, je vais retourner. Ouais. Je vais la détruire et je vais te la voler. Comme Vas-y. ça, elle ne touche pas le cimetière. C'est ça que je voulais. J'avais En oublié que tu volais. réseau. Ouais. Double cross sur Toad pour l'invoquer lors de l'emboîté par monstrelien. Ah, ça reborn encore ça? Oui. Vas-y, go. Je vais tenter Orochi. Alors je paye mon cost. Je vais Toad Ouais, pour annuler le volet. c'est débile, hein. Non, j'ai même pas fait gaffe que je peux encore activer l'effet de Toad vu que ce n'est pas The Once Per Turn. Et ouais, ça met dans la sauce, ça, du coup. Parce que j'aurais mis Nessie en défense, en attaque, j'aurais pu au moins casser Elf. Mais sauf que par habitude, je l'ai fait comme ça. Ben, je vais pas storm là-dessus. Hein. Parce que j'ai déjà invoqué autre chose que des Ouais, Orcus donc du machine, coup donc je peux pas faire t'es lock. crescendo. Vas-y. Draw. Ouais. Du coup, en draw phase, je vais faire crescendo. Hein. Androphase, crescendo, je Juste le pour récupérer un tuto. Lirso. Ok. Et je peux pas invoquer autre chose que les Dark Machines ce tour-là. Ça Bon. me va. Vu que c'est pas mon tour. En vrai, ma draw, elle est cool. Ah ouais? Ouais. Je vais commencer par déclarer Elf Target Toad. Ouais, oui, hein. C'est gratuit. Je vais norme effet. Ouais, c'est ce que tu as recyclé. Ouais. Ok. Je vais récupérer une lotte. Ouais. Je vais venir flipper tes deux monstres. Yes. Tu sais que tu peux faire effet Gizmec, hein. J'en Genre ai pas tu. besoin en fait, j'ai l'étal. Là, t'as l'état déjà? Contreur Ouais, d'ennemis, bah oui. tribute Tribute pour pour vol voler. et. Ouais, ok. Et bah tu l'as, GG. Suivante. Et J'ai vraiment j'avais une un main de fracas merde. de 7 en hard draw.
Hard Draw, ça c'était la cinquième? Enfin, non, celle du tour? C'était, je l'avais en main de départ, c'est l'Alpha 4. D'accord. J'ai vraiment pas eu beaucoup de chance sur... C'est pour ça que je n'étais pas convaincu de ma main, en fait. Elle était un petit peu compliquée. Le jet me met bien. Bah, je pense que j'ai fait une erreur sur Superpo, c'est obvious. C'est pour ça que je n'étais pas ultra fan de ma main. Bon, allez, on va tâcher d'avoir une meilleure main que tout à l'heure. En fait, c'est ça. C'est quand tu as coupé mon deck, c'est là où tu m'as mis que des cartes de merde dessus, c'est sûr. Bah, en vrai, ma main était jouable. Juste, j'ai mal activé la Superpo. Mais... Ouais. Parce que t'avais une mauvaise main, t'aurais une main avec un extender de plus, en fait ma super peau elle changeait rien. Alors, c'est déjà un peu plus intéressant sans être folichon. Je vais rentrer en main phase. Ouais, mais je vais activer planète pour tuto. Ouais. Ok. Chercher Shiren. Je fais 7, je ne peux pas 7. Je vais activer Babel. Ah oui. 7, 1, mais je tente Nessie. 2, 4 et 6. Ouais, ça me va. Ah bah 5. Nique ta mère, Nessie. Et fait Nessie. J'avais le garmin cette fois, c'est bon. Et fait Nessie. Ouais. Tuto Chupa. Tsushi, pardon. Tsushi. Et fait Tsushi, pareil. Comme tout à l'heure, 2, 4, 6. Si ça fait 5, ça me pète les couilles. 1. Girsu, Spé, Draw. Très bien. Je tente Shiren. Shiren pour Spé, défausser, me les croix. Ash Blossom. Ça fait beaucoup là, non? J'ai pas eu de chance sur le. En fait, j'ai vraiment deux mains de merde. Ouais. C'est assez impressionnant quand même. Tu sais que je fais rien, hein? Ça rend fou. Ça passe toujours sur Fushi 7. Non, je pense pas, mais. Je pense pas non plus, j'espère pas pour toi. Mais... Je vais norme et je vais dire à toi. J'ai vraiment ma. Ouais, vraiment pas folle quoi. Bah écoute, draw. Standby. Ouais. Main phase. Ouais. Bon, je vais commencer par une spé pancra. Bah ouais, parce qu'il fallait que tu la touches de toute façon. Évidemment. Je vais pancra ta 7. Tu vas pancra ma 7. Je peux même pas répondre. Effet pour tuto. Ouais. Je me suis dit, il y a 7-8 cartes comme ça, peut-être qu'à tout moment, c'est une super polie. Non. Bah, en vrai, c'est pour ça que j'ai choisi de norme Shiren. Ouais. Parce que dans tous les cas, ça me faisait au moins une fusion. Et j'avais des trucs cool à défausser, tu vois. J'avais des trucs cool à défausser sur Girsu à la base. Ça aurait pu être marrant, j'avais gardé Girsu pour faire plus de trucs. Ouais. Je récupère quand même Afnis, c'est pas dégueu. Je vais Norm Frog effet. Je vais Chain of Nice. Moi. Allez, c'est le moment d'avoir de la chance un peu là. 1, 2. Merli effet. Pour faire une fusion, oui, bien sûr. Yes. Pardon, du coup, on résout ma frog. Ouais, vas-y, résout ta frog. Résout ta frog. En vrai, je vais faire Kit Kalos avec Merli. Hein. À la résolution. Kit Kalos est fait. Ouais. Tu me laisses passer trop de trucs pour que je sois serein. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Est-ce que tu peux me l'étaler? Ça fait beaucoup de cartes à tuer quand même. Je vais chercher Shan. À toi. Enfin, à toi, c'est ton tour hein, de base. Mais... C'est ça qui est fort et pénible avec les dungeons, c'est que des fois tu vas défausser pile les bonnes cartes. Ouais. Et ça va te lancer tous tes combos, tu vas pouvoir piocher, faire du CA, etc. Et des fois tu vas les défausser eux-mêmes. Les dungeons, c'est même pas une fois par tour leur effet d'invocation. Ah oui, non mais c'est broken. Des fois tu chaînes 3 Nessie de suite, enfin tu fais 2 effets Nessie de suite dans le même tour et c'est ok. TTT pour draw. Pour draw, ok. Putain, la main elle doit pas être folle alors. Hein.
Ouais, bof. C'est vraiment bof. Après, ça peut me permettre de... Spedjet est fait. Ouais, bon, ça va, ça. Spedjet effet, tuto starter, starter SP blue, blue effet, c'est pas mal. Mais vu que j'ai SP beaucoup en défense, je pense que je vais pas prendre l'étal ce tour-là. Je pense qu'il y a moyen. De toute façon, tes tirs, c'est uniquement quand elles sont détruites au combat. Enfin, détruites par effet de carte. Envoyées par effet de carte. Ouais, complètement. Donc, j'ai tout un intérêt à les passer au combat, quoi. Tu as tout un intérêt à le passer au combat complètement. Après, l'avantage, c'est que j'aurai déjà Merlée au cimetière, à Kikelos au cimetière. Donc, je vais pouvoir un peu turbo Rune Kalos, quoi. Je vais faire sprint encore une fois. Ouais, go. Effet. Oui. Juste trop fort quand il s'agit de fournir des boîtiers. Vraiment, Il est vraiment vraiment. effet. Ça Donc fait là. juste du plus 2 en fait. C'est-à-dire, si c'est une lien 2 qui dit, bah frère, Après, je vais SP2 sur le terrain. avec la banne de Ronin, Sprite avait un gros problème, c'est qu'il Ouais. te fallait un extender obligatoirement pour faire. Complètement. Pour faire Elf plus Toad. Et Et là, c'est une solution. C'est une c'est vraie la solution solution. qu'il faut en fait, tant que tu fais pas combo et que tu pioches pas tes deux anglers dans main de départ. Ça, c'est un autre Ça m'est problème. arrivé une main avec double angler et double castor. Bon, bonne main. Bonne main de merde, Bah, tu effectivement. fais rien en fait. C'est compliqué. Faut que tu te débrouilles pour Ben, les en fait, j'avais défausser. un énorme castor. Castor va spé le dernier en fait que j'avais. Et d'ailleurs, j'ai pioché Jett comme cinquième carte. Donc, Ouais, ok. du coup, le Jett Sinon, me lance ma t'as peut-être combo, des plays mais. aussi avec les frogs. Genre, comme ça, tu peux les défausser. Ça te fait des défausses gratuites, entre guillemets. Ouais, entre guillemets, vraiment gratuite, mais il faut les piocher, quoi. Et du coup, j'en étais à faire une Xyz. J'espère un géant, comme d'hab, tu sais, j'ai l'impression de me répéter dans mes plays, Bon, mais. après, Sprite, il n'y a pas 5 milliards de lignes de play non plus, tu vois. Non Sur le plus. play de base, sur le play de base. Après, au grand game, évidemment, il y a plein de plays. Mais sur le play de base, tu as envie de passer par géant tout le temps, en fait. Donc. Plus l'agent est trop fort. Parce que je crois que la Kit Kalos, ça quand même, en 1200 défense, c'est pas Non, ouf. c'est pourri. Il y a aucun de mes... Il n'y en a aucun qui a une bonne défense, là. Même le Tushy, il a zéro, quoi. Effet géant, du Ouais, coup. vas-y. Tu gardes le lien, du coup. Ok. Logique, hein. Le géant, on va SP. Bon, en Ouais, vrai, c'est tu ça. pourrais Pour faire SP. toi, en fait, il me faut une frog. Ok. Vu que j'en ai foolish une déjà et que bah, j'ai dû utiliser l'autre, j'ai pas pu la garder sur le terrain. Donc du coup la frog n'a pas d'effet. J'ai norme la frog. Après l'avantage c'est quand on play c'est starter. Tu spé blue, tu spé jet, tu fais sprint. Sprint envoie l'angler. Oui. Du coup tu invoques tes deux castors, tu fais le géant et du coup tu te retrouves sur cet éplat. Et du coup, tu fais effet de taunt pour remonter castor en main, norme Ouais, castor effet. c'est pas mal. Et tu recrées un body Ouais, supplémentaire. tu recrées un body C'est vrai supplémentaire que en c'est recyclant du en cimetière en recyclant du plus. cimetière au passage, ouais, complètement. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc, ici, je peux proposer. En vrai, il y a un monde où. Il y a un monde, tu vas quand même avoir du mal à passer. Je me rends pas bien compte. Elf. Ouais. Je vais déclarer effet elf sur la frog. J'avoue que du coup j'ai un peu le seum de. J'ai un peu le seum de pas avoir gardé planète. Parce que Ouais. du coup j'aurais eu un casse 1. Mais je pouvais pas le prévoir, tu vois. Et dans l'idée, je comptais garder mon Guirsou et pas le défausser parce que j'ai pas eu de chance. Et j'ai d'autres cartes Orcustes que j'aurais préféré défausser dans Après, ma main, tu ouais, vois. effectivement, c'est. C'était un C'est choix, quoi. toujours compliqué quoi. Quand à partir du moment où tu as un aléatoire qui rentre en jeu, bon bah ça se passe pas toujours C'est ça. comme il faudrait. Bah, je vais faire ma Toad. Je suis en train de regarder, mais ta chérie a quand même 1008 de 1008, patate. ouais, C'est 1008 pas en attaque. négligeable. Hein. C'est C'est vraiment ok. pour un deck qui joue que des niveaux 2. Ouais. Ça fait une bonne petite patate. Je vais. T'as quoi? T'as 1000? Ouais. Ouais, y a rien qui est vraiment intéressant à être Bon, détruit là, là. Il y a juste Kit Kalos, quoi. je suis mitigé.
Je vais passer en battle. Mmh. 2002 sur 1008. Je prends 500. 7005. Et ensuite, tu casses quoi avec 1004 sur FNES? sur Raffnis, hein, je Ouais. pense que c'est le mieux. Je vais activer starter. Ouais. Starter va spé blue, blue effet. Oui. Je vais aller tuto raid. Tu te burnes quand même au passage. Ouais, je vais me burn de 1100 exactement. Raid et tuto. Ça, c'est le cimetière. Je vais me retrouver encore une fois à 6009. De toute façon, l'espoir, c'est pas compliqué. C'est 1000, 1200, 1200, 1300. Blue va battle le Touché. sushi. Je vais te dire main phase 2. Ouais, spé raid. Je vais spé raid. Donc ça va partir en Mannequin 4, ça. Ça pourrait, en vrai. Ça pourrait, c'est pas un mauvais play. Mais je vais juste partir sur une IP. Ok. Et je vais 7-3. Ça fait beaucoup 7-3. Ouais. Et ça va Ok. être une fin de tour. Moi j'ai touché mon deck. Non, j'ai pas touché mon deck. Si j'ai remis des cartes dessous, mais on s'en fout. Ouais. Draw phase. Ouais. T'as mes armes. Zéro luck. Turn by main. Ouais. J'ai vraiment. J'ai touché des cartes que je ne touche absolument jamais d'habitude. Je vais tenter Sheren. Je vais chain elf sur jet. Ok. Effet Merlier au cimetière, pour une infusion. Du coup, jet en chaining 2, vu que c'est un Ouais, trigger. absolument. En chaining 3. Test à call by. Contrôleur d'ennemi. Je vais du coup. Je réfléchis à mon cost. Je vais cost le jet target kit. Ouais, classico, quitte. Ouais. Ok. Et là, on est en setup où je disais tout à l'heure que bah, du coup la quitte. Et donc là, je peux quand même faire une Ouais. fusion. Je vais fusionner avec Afnis. Moi du coup bah, je tuto ma carte. Yes, complètement. Starter. Bagarre roi, de toute façon, j'ai pas 50 000 plays en l'occurrence. Je vais. Est-ce que tu as quelque chose à la résolution? Non. Ok. Je vais utiliser tous les deux. Faire Dark et Fégaro roi piocher. Pour piocher, pardon. C'est marrant ça. FNS. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Yes. Ok. Je vais proposer Normal Summon Merlin. Effet. J'ai réfléchi. Ok. Je sais que tu as le Nightmare au cimetière, tu as le Crescendo qui apporte mes deux tutos. J'ai Crescendo, j'ai Guirsou. Le Crescendo, tu peux pas le faire avec tes Non, je peux pas invocables faire le ici. Ouais. crescendo à ce tour-là. Nightmare va envoyer Baguette, Baguette va respecter un banni. Ça, tu fais tes suppositions, hein. Je vais pas Chevalier, il envoie réfléchir. Gizmec à tous les jours, hein. Ça se trouve, hein. Donc du coup, je vais déclarer Merli. Ouais, j'ai déclaré Merli, ouais.
Je vais faire une impe sur Merlin. Une sur Oui, c'est bon. Ouais. Bon, ouais, Mais en fait, je pensais que tu avais un elfe, mais en fait, c'est un dark. Je me suis dit, attends, qu'il n'est pas un elfe quand même. je tentais de faire des darks dans une zone pointée uniquement. Ouais. Hein. Ouais, c'est chiant. Pourquoi j'ai normalement le truc ici, moi? Je vais proposer chevalier target Nessie. Je réfléchis. Messi à 1006 de patates. Je pense que je vais arrêter à Taloporcus. Je Ok, déclare Taunt. ça marche. En résolution, il fait Taunt. Ouais, go. Castor. Comment je m'en sors là? J'ai des lignes de play, mais je suis quand même vite limité en fait. Mervi et Nessie pour faire elf. Yes. Effet dark. Target. Je sais pas, random dark, de toute façon, t'as pas grand chose. Random blue. Target blue. Effet blue, non. Ça aurait été drôle. En vrai, il y a un monde où je peux, hein. Il y a un monde où je peux. Effet elf. FF, target Merlin. Bah ouais, j'ai que ça en lien, de toute façon. Enfin, en level 2. Ouais. Effet elf target Merlin. Putain, si seulement j'avais des X62. Je vais proposer Access Code. Juste, tu Access me rends Code mon blue, s'il te plaît. target Dark, pardon, excuse-moi. L'effet est bon en réseau. Ouais. Effet mascarina. Bah ouais. Hein. Et c'est la loose là-dessus. De toute façon, en gros, j'ai aucun moyen de. Alors, est-ce que j'aurais peut-être dû. En fait, dans tous les cas, tu faisais Mascarena en fin de main phase, en fait. Parce que je m'étais dit, en vrai, je peux rentrer en battle, Je vais machin. déclarer Unicorn, target Ouais, access code. vas-y. Et je vais dire à toi. T'as coupé mon deck RPG du tout? Je vais toucher. Au pire. Après Blue, je pense pas. Drop. Ouais. Elf, c'est qu'en main. Oui, c'est que durant la main phase. Ok. Draw phase. Ouais. Draw phase, draw phase, draw phase. Elf, c'est pas pendant une main, c'est pas forcément pendant. C'est que pendant la main phase, en fait, c'est un Non, mais je effet veux dire, c'est pas rapide. forcément dans une zone pointée. Non, il y a Non, que non. Dark qui dit ça. Ouais. Ok. Du coup, en draw phase, starter. Ouais. Starter. T'as touché H à toutes les games en fait. Ouais. C'est Blue, Blue. effet blue. Ouais. Je vais quand même prendre mon burn. 5008. Du coup, stand-by, main Ouais. phase. Je vais spé. Ouais. Du coup, je vais à la résolution, je vais tenter de faire elf. Mais du coup. Ouais. Et je vais déclarer blue Ouais. pour annuler. Pas déclarer red tribute blue pour annuler. Ouais. Je ne détruis pas, mais. Ah, tu ne détruis pas? Ouais. Je crois que tu détruis. Non, c'est que quand je tribute un link ou un lien. Ok. Enfin, un link ou un X6, pardon. Par contre, j'ai un énorme effet. Ouais. Putain, mais t'as encore ça en main. Ah, tu l'as remonté? Non, j'ai pioché pour le tour pour le coup. Ah, tu l'as pioché. Ouais, donc c'est bien ça. Tu t'as encore ça en main. Ouais. Bon main encore. Hein. Nice. Bon, bah, en vrai. Donc là, je vais occuper la lotte. En vrai, je pense qu'il y a peu de monde où tu mets pas l'étal ce tour-là. Hein. Non, là, j'ai l'étal. Est-ce que j'ai perdu combien moi? T'as perdu bah, juste 500 en fait. Ok. Bon, ça fait quand même Par 7500 contre, à mettre. voilà. Voilà. Là, t'es lock niveau 2, on est d'accord? Ouais. Niveau rang 2, ça c'est ton cimetière? Niveau lien rang. Ouais. Oh, pardon, il faut se cacher. J'ai pourvu.
Donc il n'y a pas de access. Ouais. Je vous permets de regarder. T'as pas fait starter pendant mon tour avant. Non, vu que je ne l'avais pas et je l'ai tutorisé avec l'aspect de jet. Par contre, j'ai proposé un dark, du coup. Target. J'ai fait effet dark, target ta Merly. Si elle est niveau 2, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Tu peux faire éphémère pour me les 3. Non, merci. Je vais faire une Xyz. Ouais. Je vais invoquer mon deuxième géant. D'où l'intérêt d'avoir 2 géants. D'où l'intérêt exactement d'avoir deux géants. Je vais faire une Xyz. 4 sharks. Le Brocatshark. Je vais passer la kit en attaque. Ouais. Alors, combien il a géant du coup là? Géant va passer à 6004 vu que je vais Ok. déclarer effet requin chat ce target géant. Et donc 6004 sur 1005, ça fait 5000 plus les. 500 plus 2003. Donc ça fait l'étal. Ouais. Et ben GG. Putain, j'ai vraiment eu. En fait, j'ai touché, et ça c'est quand même peu probable. Chevalier. Chevalier, Babel et Ah, tu t'avais Crescendo en neuf main de couleurs plus, départ. quoi. C'est assez peu probable, mais bon. Mais bon, on voit que le deck se défend quand même pas mal, donc on va dire que c'est plutôt ok. Bah après, t'as eu un danger, je crois. Ouais, j'ai eu un Nessie Nessie, t'as qui. touché Nessie. Nessie des fausses Girsu, c'est vrai. Nessie des fausses Nessie, relou. Et ensuite, Nessie tuto Tsushi et Tsushi des fausses Girsu qui était la seule bonne normale summon que j'avais. Ouais. J'ai pas eu de chance sur les deux dungeons, mais bon, c'est.